si on ajoute à l'ennui du château, à toutes les déconvenues avec le personnel, avec l'éloignement des amis, il est à deux doigts de ce qu'on appellerait aujourd'hui la dépression. C'est à ce moment-là que son médecin lui conseille, pour sortir de sa déprime, d'écrire l'histoire de sa vie. Et c'est comme cela, c'est-à-dire d'abord pour se soigner lui-même, pour se consoler lui-même de la situation qui est la sienne, que le vieux Casanova commence à rédiger un texte qu'au départ, il ne destine à personne d'autre qu'à lui-même. Et là, ça va être une période d'euphorie. Il passe toutes ses journées et une partie de ses nuits à écrire. Il rit tout seul dans la bibliothèque, il se met à rire en écrivant. Il s'évade encore une fois. Et alors, il est l'évadé perpétuel. Et en me rappelant les plaisirs que j'ai eus, je les renouvelle. Ça, c'est très beau. J'en jouis une seconde fois et je ris des peines que j'ai endurées et que je ne sens plus.